Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay. Attention, fragile. On est dans la continuité du piratage, on a trouvé Racine. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Voilà, c'est parti. Donc en fait, Racine en fait tient un endroit où on vend des yachts. Et donc on va le pirater. Donc, le truc est de rentrer en fait avec les caméras. Je l'ai refait plusieurs fois ce gameplay parce qu'il est assez compliqué pour trouver les endroits, on va dire, stratégiques. J'ai dû le refaire plusieurs fois, tout simplement parce que je me suis fait découvrir, ils m'ont trouvé et ils m'ont buté. sans vergogne. Donc on va de caméra en caméra pour trouver celui qui a l'accès au code. Et on va le pirater. Tout simplement. Ah, il est là, on peut le pirater. Voilà, on a l'accès au code. Maintenant, il faut chercher des indices sur l'endroit où Nicky est retenu dans le bureau de Racine. Donc là, j'ai tâtonné aussi. Donc j'ai cherché un petit peu, déjà identifié tous les gardes pour voir un petit peu combien il y en avait. Ça c'est toujours important hein, de le faire. Ça nous donne à peu près, même si on en loupe quelques-uns, au moins on a une idée à peu près de combien il y en a. Je l'ai raté. Maintenant ils sont en alerte. Il va pas vous attendre, les gars. Mais ça va permettre d'éliminer quelques gens. Et surtout, faites gaffe. C'est quoi ce bip? Voilà. Deux d'un coup. De nouveau aussi. On les a déjà vus en fait dans la mission de la prison. Il y en avait un gros bien armé. Voilà, c'est lui. J'ai voulu l'avoir avec le truc, je l'ai raté. Comme je sais qu'il était balèze à avoir, je me suis dit, autant essayer de le buter tout de suite, mais je l'ai raté. Par contre, on élimine pas mal, oui, ça vaut le coup, bien sûr, évidemment. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut là. Ce qu'on veut, c'est l'épreuve. Trouver des indices. Pour savoir où est Nicky, Nicole, notre sœur. Enlevée injustement. Alors, on en a éliminé déjà quelques-uns. Hein. C'est ça. On en a encore un au moins. Hé, attends. Il y a quelqu'un là-bas. Voilà, donc on voit en bas à droite ceux qui peuvent appeler les renforts, les vétérans, les exécuteurs, les tueurs. Donc, ils ont tous une spécialité. Ils sont tous plus ou moins difficiles à tuer en fait. Hein. Explosé. Et donc on va y aller. On va rentrer à l'intérieur.
J'attendais qu'il se barre. En fait, il va pas se barrer. Hein. Si vous regardez bien, en plus, il tourne autour de l'aileron du bateau. La quille. Donc voilà. Je vais vous faire. Je pensais peut-être que ça allait attirer son attention, mais pas du tout. Donc, je me suis dit, allons-y. Vous allez voir que la suite est pas mal aussi. C'est pas la mission que j'ai préférée, mais c'est pas mal. Ah, il est mort. Maintenant, le but c'est d'aller pirater. On peut utiliser le chariot élévateur, donc je ne vais pas m'en priver. Voilà, on voit qu'il reste deux gardes, trois gardes sur la map, il y en a quatre cachés. Donc voilà, c'est pas le plus important, ça on s'en fiche. Voilà, maintenant on peut aller pirater le truc. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. On peut faire chanter la truite sur le mur. Salut Robert. Voilà, on assiste à la conversation. Comment tu vas? T'es en train de me douper là? Je te l'ai filé la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit pas le gosse. Tu croyais quoi que j'allais te payer plus? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit. C'est toi qui me l'envoie? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. Donc voilà, il décide de prendre la fuite. Donc on va le courser. Tu vas pas t'en tirer comme ça. T'es en fou! La lumière passe au ralenti, ça nous aide à repérer le truc à faire exploser. On lui pète la tronche direct. Envoyez les renforts! Je m'en occupe! Ça y est, certainement. Voilà. Donc, je vous ai passé le coup parce que je crois que je l'ai refait plusieurs fois. Je ne cache pas. Donc là, on se lance à sa poursuite. Il n'y a qu'un seul point pour le mettre à l'aider. Rapidement, c'est ici sur cette canalisation. On va lui faire quitter la route. Il est raté. On va le stopper au plus vite. Vous voyez déjà que les renforts sont là. Et quel bagnole. Et que bien sûr, bah, il faut toujours faire sortir de la route. Tout pour qu'on l'intercepte pas. Donc voilà, on l'a perdu. Il faut le rattraper dans les 10 secondes, sinon elle nous échappe. Le but est vraiment de l'intercepter, et pas de s'occuper de la suivante. Voilà. Je vais le faire sortir de la route. Et va s'en suivre. Faites toujours attention au véhicule parce que pas été mon cas. Attention, il y a un gueule! Le véhicule qui crame parce que c'est la gueule. Vous n'avez même pas le temps de réagir. On ne peut pas les civils. Faites attention. Il y a quelques-uns qui ont gonflé parce que là tout a explosé.
Il en reste 3, visiblement. Ça va aller très vite. Putain, c'est foutu! Vous savez quoi, je vous encule. La menace est éliminée. Ma censure, une petite conversation. J'ai pas été clair. Si jamais tu touches à Jackson. Ah, ça. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois. Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Suis cette adresse IP et on se reparle. Là, tu fais juste perdre mon temps. Voilà, c'est l'acte 2. Attention, enfin, j'ai fini. Et donc, on se retrouve un peu plus tard pour un gameplay. Abonnez-vous Damien à la chaîne. Damien me connaît par cœur. Il sait parfaitement comment je réagis. Ça doit faire un bout de temps qu'il organise tout ça. Mais il faut toujours qu'il aille trop loin. Il fera du mal à Nikki s'il obtient pas ce qu'il veut. Ok, pour l'instant, je vais jouer son sale jeu. Je vais suivre son adresse IP. Mais je trouverai un moyen de me le faire. Je vous dis à bientôt.